Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, appelle à la fronde contre le plan du gouvernement pour accueillir des migrants dans sa région. Il ne veut pas d'un Calais ici, a-t-il martelé. Nos confrères de TLM l'ont rencontré. Et puis, dernier épisode de notre série consacrée au réchauffement climatique en montagne. Les analyses offrent à ceux qui les étudient un vaste panel d'informations sur l'évolution de nos massifs. Un travail qui permet d'imaginer la montagne de demain. Mais on débute ce journal avec l'affaire Tefal. On l'a évoqué dans notre édition de mercredi, le procès en appel de Laura Pfeiffer, ancienne directrice du travail chez Tefal, et Christophe Micheli, lanceur d'alerte, s'est déroulé mercredi après-midi à Chambéry. En décembre dernier, Laura Pfeiffer avait été condamnée à 3500 euros d'amende avec sursis pour recel et secret professionnel. Christophe Micheli, informaticien, avait lui écopé de la même peine pour accès frauduleux. Dans son réquisitoire, l'avocate générale a demandé la confirmation de ses peines. Le jugement a été mis en délibéré. Il sera rendu le 16 novembre prochain. On écoute Laura Pfeiffer et son avocat, Maître Henri Leclerc. Ils répondent à Sébastien Germain. Je savais que ça serait mis en délibéré. Hein. Oui, je savais que ça serait différé. Après, voilà, je garde espoir. C'est vrai que les débats ont été plus apaisés qu'en première instance, donc j'ai un peu plus d'espoir qu'à l'issue de la première instance, après à voir si ça se confirme. On va dire que je suis mitigée, évidemment, j'aurais préféré qu'elle requiert la relax, c'est sûr que c'est ce qu'on aurait préféré. Après, on n'est pas étonné. Son réquisitoire n'était pas du tout véhément. C'était un réquisitoire très juridique. Je crois qu'on en arrive à cette extrémité parce que nous avons là des patrons qui se croient de droit divin et qu'ils supportent mal un inspecteur du travail qui les embête. Voilà la vérité. Je vous le disais en titre, le plan du gouvernement pour héberger et répartir les migrants dans toute la France ne passe pas auprès du président de notre région, Laurent Wauquiez. Le président par intérim des Républicains l'affirme, il n'acceptera pas l'objectif fixé par le gouvernement, soulignant qu'il ne voulait pas de Calais dans sa région. Nos confrères de TLM ont assisté à sa conférence de presse ce jeudi matin. Le ministre de l'Intérieur a donc mis au point un plan caché qu'il veut imposer de façon autoritaire aux habitants, aux élus et aux régions. Et donc j'invite en tout cas tous les élus locaux, tous les habitants qui ne veulent pas se laisser faire, à ne pas se faire imposer contre leur volonté un plan qui tourne le dos au bon sens. Laurent Wauquiez refuse le plan de répartition des migrants de Calais. Dans le cadre du démantèlement de la jungle, Rhône-Alpes Auvergne devrait en accueillir près de 1800 d'ici la fin de l'année. Inacceptable selon le président de la région qui s'est exprimé en conférence de presse aujourd'hui. On parle de mettre parfois dans des communes qui font 2000 habitants 200 migrants du jour au lendemain. On parle de les installer dans des lieux qui ne sont pas faits pour. On parle de déstabilisation sur des écoles qui ne sont pas prêtes à les accueillir. Et donc, dans ma région, je ne veux pas que cela se passe. Et Laurent Wauquiez se dit prêt à appuyer ceux qui s'opposent à l'arrivée de ces migrants. D'abord, la première chose, c'est que je veux la liste des communes qui sont envisagées. Concrètement, ça veut dire que des maires qui parfois n'ont pas beaucoup de moyens autour d'eux, nous les aiderons à envisager tous les moyens de loi, essayer d'avoir un accompagnement pour faire des recours devant les tribunaux et les aider à s'opposer à la pression du ministre de l'Intérieur. Je ne veux pas que ce soit le pot de terre contre le pot de fer. Ce n'est pas possible. Et dans notre région, ma conviction, c'est tout simplement que notre pays ne peut plus accueillir autant de migrants. On ne va pas laisser se multiplier des Calais dans toutes les régions de France. Des déclarations qui ne seront sans doute pas du goût du préfet de région, chargé de faire appliquer sur le terrain le plan de Bernard Cazeneuve. À noter que des élus de l'opposition ont réagi vivement à ces propos. Pour eux, Laurent Wauquiez n'est pas le shérif de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fin de citation. En début de semaine, le général Marchand est venu en visite d'inspection au centre d'information et de recrutement des forces armées d'Annecy. Son déplacement était l'occasion de dresser un premier bilan du recrutement des volontaires aux Savoyards de tout horizon. Début septembre, 76 contrats avaient été signés pour une durée moyenne de 5 ans. Jean-Paul Crespi nous en dit plus. Pour sa campagne de recrutement 2016, l'armée de terre parie sur la quête de sens et l'envie de dépassement des jeunes Français. En 2015, à Annecy, les candidats étaient plus de 350 à franchir la porte du CIRFA pour rencontrer un conseiller militaire en charge du recrutement. Et ils étaient une centaine, dont 12% de femmes, à signer un contrat pour l'un des 100 métiers proposés par l'armée de terre. Ça nous permet d'avoir toujours la qualité pour nos régiments, parce que la priorité c'est quand même ça.
C'est un, déjà pour l'armée de terre, de pouvoir sélectionner exactement comme une grande entreprise, en fait, les gens qu'elle va recruter. Mais en règle générale, la majorité des gens trouvent un poste à leur profil. Depuis la montée des menaces terroristes en France et dans le monde, les candidats à l'engagement sont aujourd'hui en augmentation. Mais en ces temps de chômage et de précarité, cette armée de métiers met aussi en valeur ses avantages professionnels. Les 18 000 hommes et femmes qui vont être recrutés en 2016 vont signer un contrat pouvant aller de 1 à 10 ans, recevoir une formation militaire et professionnelle et acquérir une expérience reconnue dans le civil. Moi, je suis très fier de ces jeunes qui ne savaient probablement pas qu'ils avaient en eux l'énergie, le désir et la volonté de ce service de la nation. Voilà. Et je trouve que ce dont je suis le plus fier, c'est que l'armée de terre est une entreprise de transformation ou de révélation de l'individu qui est fantastique. Voilà. Ça s'appuie sur beaucoup d'expérience, sur une très vieille histoire. Mais aujourd'hui encore, on est capable de prendre quelqu'un et très rapidement de l'amener à un niveau qu'il n'imaginait même pas lui-même. Et ça, c'est fantastique. Parallèlement à ces recrutements, l'armée de terre doit également imaginer des stratégies pertinentes pour affronter de nouvelles réalités. Les réserves opérationnelles, les réserves de bénévoles et la future garde nationale sont autant de défis à relever si elle souhaite répondre aux attentes de ceux et celles qui frappent à sa porte. L'été n'est pas fini en Savoie-Mont-Blanc et pourtant il a neigé sur les sommets alpins. Du côté de Val d'Isère, il est tombé 10 cm de neige dans la nuit de mercredi à jeudi et plus précisément au col de l'Iseran à 2600 mètres d'altitude. Les services routiers du département ont dû passer la lame pour évacuer cette neige en salant le sommet des deux côtés de la vallée, Tarentaise et Maurienne. Selon le Centre Météo France de Bourg-Saint-Maurice, deux nouvelles chutes de neige sont prévues vendredi 16 septembre vers 2500 ou 2700 mètres d'altitude. Il a donc neigé, mais cela n'empêche pas le réchauffement climatique de gagner du terrain. Et c'est le thème de notre série de la semaine. Depuis plus de 150 ans, les analyses sur les milieux d'altitude offrent à ceux qui les étudient un vaste panel d'informations sur l'évolution de nos massifs. Un travail de longue haleine, mais qui permet aujourd'hui de tenter d'imaginer la montagne de demain. On fait le point avec Emmanuel Jaude. Surveillé depuis des années, le massif alpin fait aujourd'hui office de baromètre du réchauffement climatique. Fonte des glaces, fonte du permafrost, affaissement de certains sommets sont autant de points qui permettent aux scientifiques de tracer une carte précise de la transformation de la montagne. On a surtout sélectionné des sites où on a observé un réchauffement de la température dans le glacier. Donc au col du Dôme par exemple, on a mesuré qu'en 15 ans, la température de la glace a augmenté d'1,5 degré. Aujourd'hui, on a encore de la glace qui est froide, mais qui a vraiment tendance à se réchauffer. Donc on a refait des mesures lors du carottage de ces derniers jours. On va les exploiter et voir à quand est-ce qu'on va s'approcher de la limite de température où les échantillons ne seront plus exploitables. Mais si des évolutions de quelques degrés peuvent sembler minimes, les résultantes sont énormes. En quelques années, c'est toute l'économie liée à l'altitude qui peut être menacée, à commencer par les stations de ski. Les choses évoluent énormément à cause du réchauffement climatique entre autres. Donc les quantités de glace s'amenuisent, les moraines grandissent, sont de plus en plus raides et instables. Le problème est exactement similaire dans certains endroits pour des pentes qui se skiaient l'hiver et qui ont énormément de mal à se mettre en condition hivernale pour pouvoir les skier tel que cet hiver par exemple. Je pense au Pas de Chèvre. En effet, pour chaque degré supplémentaire, la limite pluie-neige remonte de 150 mètres dans les Alpes. L'enneigement va donc se réduire en quantité et en durée. À 1800 mètres d'altitude, on annonce un mois de neige en moins à l'horizon 2040. Donc un glacier de 130 mètres, on recouvre à peu près 200 ans d'accumulation de neige. D'autres sites, par exemple à l'Illimani, le prochain objectif en Bolivie, l'accumulation elle est moindre, elle est de l'ordre d'un demi-mètre de neige. L'épaisseur elle est du même ordre de grandeur, 135 mètres. Et on sait que la glace du fond a 18 000 ans. Un recul qui permet aujourd'hui de se projeter vers l'avenir et ainsi d'anticiper les transformations de notre milieu pour peut-être enfin savoir vivre avec son temps. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, vous retrouvez Solidarité. Fanette de Buisson vous emmène à la découverte des réserves naturelles des Aiguilles Rouges. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Vendredi, pour le JT, vous retrouverez Olivia Boisson. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.